Et bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous et bienvenue à Barcelone. C'est parti pour le Mobile World Congress édition 2017. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Bienvenue sur le stand d'Orange où nous nous retrouverons tous les jours cette semaine, jusqu'à mercredi en tout cas, pour vous faire vivre au plus près ce rendez-vous incontournable. C'est vraiment le rendez-vous de l'année dédié aux smartphones, Jérôme. C'est vrai que le CES de Las Vegas est super. On parle de plein de choses, de start-up, de télé, etc. Mais Barcelone reste la mecque de la téléphonie mobile chaque année et 01net TV. Toute la rédaction de 01net.com y est depuis hier. Et croyez-moi, ça s'annonce comme étant un grand cru, hein, ce Mobile World Congress. Effectivement, il y a déjà eu toutes les grosses annonces importantes que nous allons, eh bien, vous débriefer tout de suite. On va parler de Nokia, de BlackBerry, de Huawei, de LG, de Sony, de Samsung. On a 5 minutes pour faire le round-up complet de toutes les annonces importantes. Voilà, on va rentrer dans les détails tout à l'heure aussi avec le directeur marketing de Huawei qui est d'ores et déjà à côté de nous et qui va nous présenter le P10. On s'intéressera aussi aux nouvelles tablettes Samsung qui ont été présentées hier. Bien sûr, c'est l'un des temps forts de ce Mobile World Congress 2017. Avec, on parlera de voitures connectées avec notre invité de Peugeot. Et puis on parlera de la 5G, puisque c'est normal, ici on ne parle que de ça, de la 5G. Exactement, la 5G arrive en 2020-2022 et d'ores et déjà on commence à imaginer à quoi ça va ressembler. Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Jérôme, c'est parti, le débriefing de toutes les nouveautés qui ont été présentées depuis hier ici à Barcelone. Eh bien François, l'un des smartphones qui crée l'actu et qui crée l'événement, C'est pas un smartphone. Ben voilà. C'est un téléphone qui a 17 ans. Exactement. Et c'est le Nokia 3310. Écoutez, alors là, franchement, moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Tout le monde voulait voir un téléphone qui est 2G, qui ne reçoit pas les mails, qui a un capteur photo de 2 mégapixels. On ne peut pas télécharger d'application. Non, mais non, t'es fou, quoi. Ça va pas, t'es malade. L'écran n'est pas tactile. Voilà, non, surtout pas. Qui n'a pas d'écran tactile. Qui est quand même Bluetooth. C'est-à-dire que oui, tu peux connecter une oreillette. Hein, voilà. Et oui, mais il a quelque chose que d'autres n'ont pas. C'est qu'il évoque tout de suite. Il évoque des choses liées à notre mémoire. Puisque ce smartphone, on l'a dit, est sorti en 2000. Alors forcément, vous êtes peut-être très nombreux à l'avoir déjà utilisé dans son ancienne version. Il revient. Il a un tout petit peu relooké. Il a été un tout petit peu relooké. Hein, il est un peu plus fin. L'écran s'est un peu agrandi. C'est vraiment un smartphone uniquement pour téléphoner et c'est l'une des attractions signée Nokia, même si vous le savez, c'est pas Nokia qui le fabrique, enfin c'est le chinois, comment ça s'appelle, HMD. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ça c'est l'un des phénomènes de ce Mobile World Congress, ce Nokia 3310. Côté Nokia, alors il n'y a pas eu que ce petit téléphone, non. Ils sortent aussi des smartphones, on va dire, un petit peu plus normaux, hein, Jérôme, oui. Sous Android, etc. Il y a trois modèles, 5 hein. Et le Nokia 6 à découvrir en vidéo sur 01net TV. Et à travers les articles de 01net.com également. Voilà, puisqu'on est dans le vintage, on va y rester avec une marque qui essaie de revenir. Ouais. Rappelez-vous de BlackBerry. Eh bien, BlackBerry existe toujours. Là encore, c'est un constructeur chinois qui est derrière. C'est TCL. Et ils ont annoncé hier, non avant-hier en réalité, ils avaient pris un peu d'avance, un nouveau smartphone avec un clavier physique, puisque c'est la particularité de BlackBerry. Alors, le Key One. Le Key One, etc. Voilà, évidemment. Alors, ça ressemble à un bon vieux BlackBerry des familles, ouais. Hein, ce clavier physique qui tourne sous Android. Voilà, ouais. On sait que BlackBerry, maintenant, a choisi cet OS Android. Alors, c'est un Android sécurisé, hein, bien évidemment, qui est réservé aux professionnels. Est-ce que ça a toujours un sens, voilà, aujourd'hui, d'avoir un téléphone, voilà, hyper sécurisé pour les entreprises avec un clavier? Pourquoi pas? Écoute, on ne rentrera pas dans le débat dans l'immédiat. Non. 4,5 pouces pour l'écran, environ 600 €. En tout cas, c'est également un des produits qui retiennent l'attention ici à Barcelone cette année. Voilà, alors ça, c'était un petit peu pour les curiosités de ce salon. Là, on va passer maintenant à la grosse artillerie. Tadam. Avec Huawei qui, de Mobile World Congress en Mobile World Congress, augmente les tours. Ouais, creuse de plus son sillon de plus en plus. Et donc, a été annoncé hier le P10. Le P10, nouveau smartphone flagship. Particularité, comme les modèles précédents, un double objectif signé Leica. On va y revenir en détail dans un instant. Il y a même du Leica sur la face avant, donc il mise à fond sur la photo. Voilà, Vincent Venti, qui est juste à côté de nous, est impatient de nous le présenter. On va le découvrir dans un instant, ce Huawei P10, sous toutes les coutures. Autre nouveauté, c'est le coréen LG qui a dégainé son G6, Jérôme. Et le G6, c'est l'un des smartphones qui a une particularité. Hein, c'est sans doute celui qui a les bords les plus fins. Vous allez le voir, il n'y a quasiment plus de différence entre le bord de l'écran et le bord de l'appareil. Autrement dit, c'est un écran de 5,5 pouces
comme l'iPhone 7 Plus, et pourtant il est beaucoup plus petit que l'iPhone 7 Plus. 5,7. Hein. 5,7, pardon. Voilà. Alors il est Quad HD Plus, donc avec une définition qui est beaucoup plus élevée que le Full HD. Il est Dolby Vision HDR. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu télécharges l'appli Netflix et que sur Netflix tu as du contenu Dolby Vision HDR, eh bien tu auras une qualité d'image accrue. Entre nous, est-ce que ça a un sens sur un smartphone qui fait 5,7 pouces de diagonale? Je ne sais pas trop. Ça fait une belle image. Ça mais fait une belle on image a vidéo. Une image encore plus belle. Et puis ça rajoute des spécificités sur la boîte. Tu sais, ouais, c'est bien, c'est bien sympa. Sûr. C'est toujours agréable. Alors, il a aussi une particularité, c'est les dimensions de son écran. C'est un écran 18/9. Oui, ce sont des proportions un peu particulières, ce qui fait qu'il est plus long que large. C'est un peu le contraire de toi, en fait. Bon, bravo. Bah, écoute, merci beaucoup. Jérôme, je m'en vais. Au revoir. Non. Reste là, mon ami. Moi, je vais visiter le stand Orange, puisque c'est comme ça. C'était juste pour faire un bon mot. Bon, d'accord. On n'en parle plus. En tout cas, on détaillera, on viendra en détail sur le LG demain avec un autre invité, avec un représentant de la marque LG. Vous saurez tout en détail, ici même, à la même heure. Et bien, tu sais quoi? En plus, il a fini dans une piscine, ce G6. Oui, c'est vrai. Parce David Noguera l'a testé. Il a été l'un des tout premiers à le plonger dans l'eau, parce qu'il devient étanche, ce LG G6. Autre nouveauté signée Sony. On a du Sony avec un smartphone, alors là attention, on est dans le bling bling maximum, mais il est magnifique, un smartphone chromé, bon il y a également une version noire, c'est le, comment s'appelle-t-il déjà le Sony, c'est le Xperia XZ si je ne m'abuse, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, et lui aussi il est taillé pour la vidéo de définition, il est 4K HDR. Alors c'est l'un des tout premiers smartphones 4K HDR, Sony avait déjà sorti un téléphone, je crois qu'il y a un an ou deux, qui avait un écran 4K, qui était passé complètement inaperçu. Là, ils reviennent avec donc la même définition que sur une télé 4K dans l'écran d'un téléphone. Voilà, c'est impressionnant. Hallucinant. J'ai vu les images tout à l'heure, c'est très très joli. Voilà, donc en plus HDR, ce sera un téléphone très haut de gamme. Il faut des contenus compatibles, Sony, bien entendu, hein, et donc notamment Amazon Prime. On parle beaucoup d'Amazon Prime hein, ici à Barcelone. Exactement, parce qu'ils ont du contenu 4K HDR, tout comme Netflix d'ailleurs. On va terminer ce petit round-up. Oui. Avec Samsung. Eh oui. Samsung qui n'a pas annoncé le Galaxy S8. C'est vrai que tout le monde attend ce téléphone. Samsung peaufine sa copie visiblement. Il sera annoncé le 29 mars. Mais malgré tout, il fallait quand même qu'ils nous mettent quelque chose sous la dent. Bah oui. Donc ils nous ont présenté deux tablettes. La Galaxy Tab S3 et puis la version Book. S3, t'as raison. S3, voilà, donc qui est sous Android. Une très jolie tablette qui est déclinée aussi en Galaxy Book avec à l'intérieur Windows. On en parlera tout à l'heure avec Camille Castinel qui est avec nous. Ouais. Voilà, qui nous en parlera. Voilà, ça, ce sont vraiment les principales annonces de cette première journée du Mobile World Congress de Barcelone. On va rentrer un petit peu plus dans le détail tout de suite avec nos invités. #01Live, on est en direct et restez avec nous car tout à l'heure on va vous faire découvrir le concept car de Peugeot qui s'appelle Instinct. C'est vraiment la voiture du futur. Peugeot a déjà imaginé la voiture autonome connectée à la 5G. C'est vraiment incroyable. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec le concepteur de ce projet qui sera avec nous. Et si vous vous demandez pourquoi on parle de voiture au salon de la mobilité, ben oui, c'est plein de voitures comme à Las Vegas en janvier. Bonjour Vincent Van Tilk. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir rejoints. Merci de l'invitation. De Huawei. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'une des grosses nouveautés de ce Mobile World Congress, c'est le Huawei P10. On a l'impression que voilà, Huawei creuse son sillon, tout à l'heure Jérôme le disait, avec une spécificité vraiment mise en avant, c'est la photo, hein, Vincent. Oui. Voilà, s'il y a une chose sur laquelle vous avez envie de communiquer, enfin, parmi toutes les autres, c'est vraiment la photo. Moi, j'ai envie de communiquer sur plein de choses parce que ce produit il fait plein de choses. On a un produit qui a un design qui est assez exceptionnel, extrêmement fin. On travaille toujours, on est assez fort sur tout ce qui est finition métallique. On a intégré un écran LCD LTPS. Pour la première fois, pour répondre à la demande du marché, on a intégré un capteur sur la face avant. Trois quarts du marché nous le demande. Il était au dos, hein, précédemment, c'est ça ? Il était derrière, absolument, il était derrière. Mais c'est vrai que le vrai positionnement de notre produit, on le voit probablement à l'écran, c'est toute la partie photo et la partie photo artistique. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé, puisque toute cette collaboration avec Leica nous a amené à cette caméra de deuxième génération, où on a un capteur 12 mégapixels RGB, un capteur 20 mégapixels noir et blanc,
et un certain nombre de fonctionnalités aujourd'hui qui sont intégrées dans le produit et qui vont permettre de prendre de très très belles photos dans toutes les conditions, mais notamment des portraits, et des portraits extrêmement retravaillés. Avec le effet bokeh, cet arrière-plan fou. Oui, je ne sais pas si on voit ici les différents aspects du produit et fonctionnalités. On peut avoir un gros plan là sur la... voilà, d'accord. Voilà, il est là, très bien. Voilà, là vous le voyez en direct. Donc on voit donc... Et alors, la nouveauté, c'est que la caméra selfie... qui est devant, elle est aussi maintenant avec une optique Leica. Vous avez plusieurs nouveautés, toutes très orientées portrait. On intègre le mode bokeh en noir et blanc et en couleur, donc noir et blanc c'est nouveau. On intègre effectivement en selfie cette capacité d'intégrer du bokeh. Et donc le résultat sur ces trois features, c'est vraiment des flous artistiques avec un gros focus sur le portrait. On intègre aussi, et ça c'est un apport technologique assez important, la reconnaissance 3D faciale qui va finalement permettre, une fois qu'on aura activé ce mode portrait, de reconnaître le visage et de le réétalonner, réétalonner la lumière, donc travailler sur les contrastes, travailler sur les ombres et donc de faire un vrai effet très artistique sur les portraits. Il y a un truc sympa aussi, c'est qu'il arrive à détecter le nombre de personnes quand on fait un selfie, oui, et prend du recul automatiquement si on est plusieurs sur la photo, alors qu'en général on se bat toujours avec le bras, ouais, comme ça. Ouais, 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 c'est la amusant, fonctionnalité. Ça. Alors on avait lancé avec le P7 la notion de groupy, où oui, nous-mêmes, ouais, on travaillait sur des inclinaisons. De Walt Disney, ça n'est pas uniquement un personnage de Walt Disney, mais là on intègre la selfie adaptative. Et donc, c'est effectivement cette capacité de reconnaître de façon intelligente si vous êtes 1, 2 ou 3 et de prendre effectivement un recul nécessaire pour prendre les 3 personnes. Alors, de gros efforts en matière de design, hein, vous l'avez dit, il fait moins de 7 mm d'épaisseur, ouais, des coloris assez sympas. Oui, c'est intéressant. On parlait de partenariat avec Leica. Ouais. Là, c'est un partenariat avec, avec Pantone, avec le Pantone Color Institute, messieurs. Ouais. Avec lesquels on a réfléchi. C'est le grand Manitou mondial de la couleur, pour faire court. Carrément, et en fait, on a réfléchi avec eux, et on a décidé de lancer un certain nombre de modèles, dont probablement le modèle phare, qui va être le modèle vert, Greenery, comme on dit, qui sera la tout d'un. Il paraît que c'est la couleur de l'année. Oui, il semblerait que ça soit la couleur de l'année, donc de très beaux modèles, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on lance toutes nos couleurs en même temps. Alors sur le marché français elles vont arriver un peu plus tard, mais qu'on les annonce toutes en même temps, donc il y a beaucoup de choses aussi sur le design, c'est vrai. Quid du P10 Plus, est-ce qu'il va sortir en France le P10 Plus? Ah oui. La version grand modèle. Oui, oui, le P10 Plus il va sortir en France, il apporte un certain nombre d'améliorations et c'est vrai que sur la partie optique, pour le coup là, on va intégrer une caméra Leica, donc ça c'est la première fois qu'on va l'intégrer. Ce qui va aussi être en plus sur le P10 Plus, c'est que c'est le premier smartphone 4,5G du marché. Donc on n'est pas que dans le design ou la photo, mais on est aussi dans la techno et dans les télécoms. Donc ça, c'est un point avec important. Avec 4 antennes, hein, au lieu d'en avoir 2 dans le absolument. Téléphone, il y en a 4. Pour et ça, c'est que sur le P10 Plus. Que sur le P10 Plus, absolument. Donc grosse batterie sur le P10 Plus. C'est un très très beau produit en 5,5 pouces versus 5,2 pour le P10. On a des questions également, Vincent, sur le P10 Lite. Est-ce qu'on sait quand il va sortir? Visiblement, il est très attendu, ce P10 Lite. Ça sera plus tard, non? Il sera annoncé un peu plus tard, mais comme on l'avait fait sur le P9, c'est des produits qu'on annonce juste après. Le vrai focus aujourd'hui pour nous, c'est vraiment ces produits sur lesquels on a une vraie grosse valeur ajoutée, voilà, en termes d'innovation, que ce soit dans les partenariats avec Leica, avec Pantone. On a même une application qui est intéressante, qui est issue de Emotion UI, donc la partie soft a été énormément travaillée sur ce produit-là, où on intègre, elle s'appelle Highlights, où on a travaillé avec GoPro, justement, pour pouvoir récupérer, identifier dans la mémoire toutes les photos et faire une sélection de celles dont on voudrait faire une petite vidéo. Donc il y a plein de choses très intéressantes qui sont très orientées usage, photos et images, images, vidéo, 4K. Mmh. 4K sur le P10 et P10 Plus, voilà. Alors évidemment sur Zéro Net TV, pas mal de vidéos, de petits reportages vous présentent vraiment sous toutes les coutures ce P10. Un mot sur la montre Huawei, oui, la Huawei Watch 2 que vous avez au poignet, Vincent, ouais, qui a la particularité maintenant dans son modèle haut de gamme d'être complètement autonome parce qu'elle intègre une puce 4G. Ben pour moi, ça me rappelle la conversation qu'on avait ensemble à l'IFA sur la Watch. Et je pense que ça, c'est... Pourquoi vous nous écoutez?
Je vous écoute, puis j'étais à côté. Mais c'est bien. Et en fait, la discussion était sur c'est quoi les killer apps. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez vous affranchir du smartphone, que vous allez pouvoir courir et mesurer votre rythme cardiaque, votre VO2 max, vous allez pouvoir vous géolocaliser, traquer votre chemin, écouter votre musique en toute indépendance. Là, je pense qu'on va franchir une étape, et c'est l'étape que franchit la Watch 2. On est sur le stand Orange, visiblement. Elle va être commercialisée avec Orange, cette montre. Oui, on a le plaisir, effectivement, de travailler avec Orange sur de nombreux aspects, et ils ont référencé... bien leur en a pris la Watch 2 et donc on va pouvoir bosser avec eux sur ce produit-là. On vous attend pour l'autonomie, hein, parce que c'est bien une montre qui a sa carte SIM, mais on jusqu'à 7 heures d'autonomie en utilisation intense. Je ne sais pas si vous êtes des marathoniens, mais même si vous êtes très lent, courir 7 heures, ça fait beaucoup quand même. Ben voilà, normalement au bout de 5 heures on vous arrête, et mais donc vous avez le temps de faire un marathon. Très bien. On s'arrête souvent avant 5 heures. Oui, mais c'est vrai, 4h30 en général. C'est bien. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci et bon salon, bon Mobile World Congress. Vous aussi, merci de votre invitation. Voilà, on est aussi au Hall 3 pour tout vous raconter. Hein. On est au Hall 3 de ce Mobile World Congress. Et véritablement, tous les grands constructeurs sont tout autour de nous. C'est très pratique d'ailleurs, il suffit en quelques pas, on peut découvrir Huawei, LG, Samsung, etc. Et on vous les fera visiter tous ces stands. Merci Vincent Ventilc. On revient dans un instant. Autre gros morceau de ce Mobile World Congress, c'est Samsung qui annonce non pas son Galaxy S8, Jérôme, mais des tablettes, on en parle tout de suite. Et c'est Camille Castinel de Samsung France qui nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Ravi de vous accueillir. Camille qui va nous montrer tout de suite le Galaxy S8. Merci Camille, oui, c'est très gentil. Oui, c'est super. Bravo. Alors, il est où? Mais en plus, vous avez une robe sans poche. C'est embêtant. Ah bah, c'est embêtant, surtout que là, je vais plutôt moi, vous parler des tablettes. Hein. Alors, juste un mot sur le Galaxy S8 qui a été présenté. Enfin, il y a eu un petit teasing hier lors de la conférence de presse. On a vu une petite vidéo qui nous annonce sa sortie. Enfin, en tout cas, l'annonce le 29 mars prochain. Tout à fait, qui vous donne rendez-vous le 29 mars pour beaucoup de surprises. Bon, alors on en saura plus le 29. En attendant, eh bien, deux tablettes. Deux tablettes, absolument. Pas une, mais deux tablettes. Donc, la Galaxy Tab S3 qui est juste ici, donc qui en fait est la tablette multimédia par excellence, et la Galaxy Book qui, elle, est plutôt l'outil. Qui est un PC, finalement. Voilà, qui est un PC dans une forme de tablette, donc un outil de productivité par excellence. Et donc, du coup, je vais commencer par la Tab S3 qui existe en fait en deux couleurs, puisque nous avons donc la noire et également la silver. Alors, elle est très jolie. On ne s'en rend pas forcément compte à l'image. Un dos en verre, des contours métal, donc on retrouve bien le niveau de finition. Comme ça va être premium. Dommage de mettre une housse ou une coque là-dessus. Ou un clavier. Ou un clavier, oui. Ou un clavier. Donc là, ce qu'on montre là avec Jérôme, on se fait du vent, ça marche aussi, c'est un très bon éventail. Ça, c'est donc la Galaxy Tab S3 sous Android. Tout à fait, sous Android, qui donc a un écran de 9,7 pouces en Super AMOLED, donc avec la qualité d'image que le Super AMOLED offre aujourd'hui à nos utilisateurs. Mais surtout, on intègre cette année pour la première fois dans nos tablettes la norme HDR. Pour justement avoir des contenus vidéo assez extraordinaires et assez immersifs. Ça a peut-être plus de sens effectivement sur un écran de cette taille que sur un smartphone, on en parlait il y a un instant. Il y a des efforts en matière de son également. Hein. Exactement, puisqu'en fait on s'est rapproché de la société Harman en novembre dernier, et notamment de la marque AKG, qui propose une expérience sonore vraiment extraordinaire et qui va venir compléter justement la vidéo, le Super AMOLED, le HDR, avec une expérience sonore AKG, puisque nous avons 4 haut-parleurs qui sont intégrés dans la tablette. 4 haut-parleurs dans les coins, comme chez François dans son salon. C'est le début de votre partenariat avec AKG, puisque Samsung, rappelons-le, s'est offert à Harman il y a quelques mois de cela. Donc, exactement, en novembre dernier. Très bien. Donc ça, c'est pour la Tab S3, très belle tablette Android, hyper puissante. Le prix Alors, on aura deux versions, une version Wi-Fi, une version 4G, disponible en France à la fin du mois de mars. Donc, on la retrouvera sur sa version Wi-Fi aux alentours de 679 € et sur sa version 4G aux alentours de 769 €. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est la tablette Android de Samsung. Et surtout, le retour du S Pen. Oui. Sur la Galaxy Tab S3.
Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a des tablettes qui intègrent le S Pen, donc oui, que ce soit pour le S3, pour la Tab S3 ou pour la Galaxy Book. Donc on retrouve en fait un S Pen qui a été amélioré, qui est donc l'héritage de nos Galaxy Note. Donc on retrouve 4096 points de pression, une petite mine de 0,7 mm qui va vraiment offrir à l'utilisateur une expérience qui se rapproche au plus près d'une écriture traditionnelle. C'est amusant, il y a des fonctions, il suffit d'approcher le stylet, exactement. Même pas besoin de cliquer, on a un etc. petit clic en fait, sur le stylet qui va permettre d'activer des fonctionnalités. Et pourquoi vous êtes venu avec votre crayon noir qu'on avait à l'école quand on était petit? Alors justement, ça c'est la petite surprise qui a été dévoilée donc hier soir. Nous avons une collaboration avec Staedtler, donc tout le monde connaît ces fameux crayons de bois qu'on a tous eu effectivement quand on était à l'école. Et on va pouvoir le décliner maintenant en option, bien évidemment, sur la format S Pen, donc avec la possibilité d'utiliser son stylet avec sa tablette. Donc ce n'est pas un vrai crayon, c'est un stylet déguisé en crayon. Absolument. Ouais. On n'a pas besoin de tailler. Surtout pas. Vaut mieux pas. Mais ça apporte combien une ça coûte petite fraîcheur. Je n'ai pas malheureusement pas le prix pour le moment. C'est beaucoup plus cher qu'un crayon tu papier crois traditionnel. Oui, mais bon, celui-là, il est inusable en théorie, donc c'est normal. Sûr. On passe à la Book. Tout à fait, Camille. C'est la bonne transition, puisqu'en fait, la Galaxy Book est également compatible avec le S Pen. Donc c'est alors, le... on se posait la question, c'est donc le même stylet. C'est le même stylet, d'accord. Donc vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez sur la Galaxy Tab S3. Et là, sur le Galaxy Book, on va avoir des applications supplémentaires qui vont être disponibles, en tout cas compatibles avec le S Pen, et notamment une application sur Photoshop qui va permettre de gérer le stylet et de gérer la pression du stylet sur cette application. Donc pour les aficionados, justement, de créativité et également de dessin, bah là, on va avoir une expérience particulièrement complète. Voilà. Donc la Galaxy Book, elle... Donc ça, c'est un vrai PC, on est d'accord. C'est un vrai PC dans la forme d'une tablette, en fait, tout simplement. Et surtout, on retrouve donc le clavier qui est rétroéclairé, fourni avec la tablette et qui a été repensé. Ah, c'est pas un accessoire. C'est pas un accessoire. Parce que chez certains de vos concurrents, c'est un accessoire. Et nous, ce n'est pas un accessoire. Tout à fait. Donc d'accord. Nous, c'est fourni, fourni avec la tablette, tout comme le stylet, d'ailleurs. Donc qui est fourni avec. Donc on retrouve un clavier assez ergonomique qui intègre donc des touches qui ont été repensées. En tout cas, la position des touches a été repensée pour venir se coller le plus entre guillemets à l'expérience que vous pouvez avoir sur un PC. D'accord. Et donc on a un véritable outil de productivité pour le quotidien. Elle sort quand cette Galaxy Alors Book? Alors là, il va falloir être un peu plus patient puisque là pour la Galaxy Book, on est plutôt sur un lancement au mois de juin. A priori. Ah. Donc on a encore un petit peu le temps de l'attendre et de l'attendre. Camille, très bien. On a Caribou sur Twitter qui nous dit j'ai l'impression que le marché de la tablette arrive un peu est un peu essoufflé, et c'est vrai que les chiffres le confirment. Est-ce que la tablette, c'est pas un marché qui est descendant là aujourd'hui? Alors le marché de la tablette effectivement est un marché compliqué. Néanmoins, nous avons toujours fait des tablettes, des bonnes tablettes, des belles tablettes. Donc on va pas s'arrêter là d'en faire cette année, bien au contraire. Et je pense qu'on l'a prouvé là justement avec les annonces d'hier soir. Et une fois encore, sur ce marché-là, le segment premium est le seul segment aujourd'hui qui progresse dans le marché des tablettes. C'est pourquoi on a vraiment orienté nos choix de lancement sur deux tablettes premium que je viens de vous parler. Que c'est plus des produits professionnels que des produits de loisirs pour la maison. Alors en fait, on ça, a deux, les deux. Le Galaxy Book est plutôt un outil de productivité, tandis que bien la sûr. Tab S3 est plutôt une plateforme multimédia. C'est dingue parce que, alors je vais parler d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas, Camille, qui s'appelle Apple, et je trouve que visiblement, vraiment, ces deux tablettes concurrencent l'iPad de deux manières et différentes. L'iPad Pro avec le côté l'iPad clavier, Pro, etc. Aussi, ça va être intéressant de voir le match qui peut s'opérer entre ces deux marques. Sans compter que l'iPad Pro n'a pas un vrai système d'exploitation pour la bureautique. Alors que Windows, c'est un vrai système. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Et ben avec grand plaisir. À très bientôt. Voilà. Merci. Et puis, on parlera aussi de réalité virtuelle parce que voilà, Samsung avance avec un nouveau masque qu'on découvrira vous aussi. Vous pouvez rester avec très 5 minutes si vous le voulez. Mais peut-être mais en revanche, j'aimerais bien que nos invités se permutent, si ça ne te dérange pas, Jérôme. Tu as raison. Parce que nous allons maintenant parler de technologie, mais aussi d'automobile. Avec notre invité Mathias Haussan. Bonjour. Bonjour. Qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathias, vous êtes en fait le concepteur d'une voiture qui a encore un prototype, qui est présentée par Peugeot et qui, à la fois, intègre de la technologie, du réseau. On imagine aussi la voiture autonome derrière tout cela. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept qui s'appelle Instinct, je crois, hein? Exactement, donc c'est la première fois en fait que Peugeot présente un concept car hors d'un salon automobile, donc c'est une grande première pour nous.
Et je dirais que c'est la première fois qu'on s'exprime, en tout cas, sur ce que pourrait être le futur de l'automobile et surtout le futur de l'automobile autonome et connecté. D'où notre présence ici aujourd'hui au Mobile World Congress. Alors, on voit cette voiture là actuellement. C'est une vraie voiture. Ce n'est pas un prototype qui ne roule pas. Cette voiture fonctionne. Alors, c'est un prototype parce qu'il n'y a qu'un exemplaire. Mais en tout cas, c'est une expression du véhicule autonome. Donc, encore une fois, on ne verra pas ce véhicule en l'état rouler sur nos routes. Parce que, bien entendu, il y a toutes les questions de réglementation qui vont autour, qui ne sont pas en tout cas intégrées en tout cas sur ce véhicule. Néanmoins, l'expérience, ce que nous avons souhaité faire, c'est vraiment designer le futur de nos expériences à l'intérieur de nos automobiles. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette voiture ? Effectivement, elle a un habitacle qui fait assez futuriste. Alors, ce qu'on a souhaité sur ce concept car, c'est à la fois rester dans une proportion d'objets réalistes, parce qu'on a vu des expérimentations autonomes avec des véhicules qui faisaient plus de 5 mètres de long, 2 mètres de large, et donc qui sont réalistes finalement dans l'environnement urbain qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, surtout en Europe. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est dans un gabarit de véhicules, je dirais, que l'on peut connaître aujourd'hui sur nos routes, proposer une expérience privilégiée pour 4 personnes, à la fois en mode conduite, mais aussi en mode autonome. Une expérience complètement unique et plus proche, finalement, de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'habitat, c'est-à-dire on retrouve quasiment une configuration de home cinéma dans son véhicule quand on passe en mode autonome, et même des matériaux inspirés, finalement, de l'habitat. Parce que l'idée, c'est de se dire que on sait que voilà, 2025, 2027, les véhicules seront autonomes. Hein. En tout cas, c'est une projection que beaucoup de constructeurs s'accordent à dire que voilà, ça sera le cas. Et donc, on pourra se retrouver dans un salon roulant avec une autre configuration à ce moment-là. Et il n'y aura plus de conducteur, on sera peut-être même dos à la route. Alors, la solution qu'on a choisie, c'est une solution où on a encore le choix et de conduire et de passer en mode autonome. Parce que la transition va durer extrêmement longtemps entre les véhicules que l'on peut connaître aujourd'hui et les véhicules complètement autonomes, voire peut-être qu'un jour, en 2050, voire plus tard, on n'aura peut-être plus le droit de conduire. Ce qu'on a souhaité illustrer là, c'est vraiment cette phase intermédiaire d'avoir le choix, finalement. Chez Peugeot, on aime être maître à bord de nos véhicules et donc de proposer un choix, soit d'un mode conduite, soit d'un mode autonome. Tout ça à travers une solution donc, de profiling, c'est-à-dire en fonction de notre état, de notre humeur, proposer un mode de conduite adapté à l'usager. Bon, dites-moi, le rapport avec les télécoms, là, parce que je ne comprends pas. Que faites-vous à Barcelone ? Demain, finalement, nos utilisateurs souhaitent avoir une expérience la plus fluide possible. Et finalement, l'automobile est en train de s'intégrer dans l'univers connecté que l'on peut avoir au quotidien. Et finalement, devient un device, d'une certaine manière, comme peut l'être aujourd'hui notre smartphone ou notre montre connectée. Et puis, elle sera connectée à la 5G, cette voiture, forcément ? En effet, elle sera connectée au meilleur, en tout cas, du savoir-faire de la connectivité. Et puis, vous avez passé un accord avec Samsung. Hein. Je crois qu'il y a de la technologie Samsung à l'intérieur de ce prototype. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, une collaboration, en tout cas, de fait, avec Samsung, la plateforme Samsung Arctic Cloud, qui permet justement de recevoir les informations et de les traiter. Et donc, nous avons travaillé sur ce projet en commun. Voilà, et puis, je crois qu'il y a même de l'orange dedans, hein, aussi, pour imaginer la connectivité 5G, etc. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de design, on peut imaginer que les prochains véhicules Peugeot s'inspirent du design de cette voiture. C'est vraiment ce qu'on a souhaité, c'est-à-dire on n'a pas souhaité faire un objet trop futuristique. La conduite autonome, l'autonomie de nos véhicules existe déjà, hein. L'allumage automatique des projecteurs, suivi de fil, finalement, c'est des débuts d'autonomie. Ouais. Et finalement, la conduite autonome va s'inscrire par éléments, par briques, d'une certaine manière. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est représenter, designer cette expérience dans un véhicule qu'on pourrait imaginer demain sur nos routes. Très bien. Super. Bon, il y a Caribou. Caribou est un de nos fidèles tweetos et auditeurs et qui nous dit qu'il n'aime pas la voiture autonome connectée parce qu'il a l'impression d'être comme un petit pois dans un micro-ondes. Voilà. C'était un petit pois dans un micro-ondes, Caribou. C'est mignon comme image. Oui, c'est mignon, oui. Bon, il ne faut pas que le micro-ondes marche trop longtemps. Il ne faut pas paniquer, ce ne sera pas ça. Ce sera pas ça. Très bien. Ben, Merci beaucoup. En tout cas, on va encore une fois vous montrer ce véhicule dans les jours qui viennent. Et puis, si vous êtes sur Barcelone, il y a d'autres endroits où on pourra la voir, cette voiture ? Alors, très prochainement, elle sera à Genève la semaine prochaine. Et oui, puisque c'est le salon de Genève qui vous apporte la semaine prochaine. Merci Mathias. Je vous en prie. Voilà, et on remercie aussi Camille de Samsung qui était avec nous. Merci. Jérôme, oui. Dans un instant, on va parler de 5G parce que c'est important. Ah bah c'est plus qu'important. La 5G, c'est l'avenir des réseaux et on en parle avec notre invité tout de suite.
Alors Jérôme, c'est bien beau de parler de device, de derniers smartphones, etc. Mais le plus important, peut-être, c'est la stratégie des réseaux et de voir ce qui va se passer après la 4G, qui est aujourd'hui bien implantée. Mmh. Eh bien, le futur de la 4G, c'est là. Alors, j'ai une petite idée, voilà. Alors, ça ressemble. Mon intuition me laisserait penser qu'il pourrait s'agir de la 5G. En plus, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Eh bien, tu sais quoi ? On ne peut rien te cacher et on va en parler avec notre invité, Marie-Noëlle Jégo-Levassière, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'innovation et de la techno chez Orange. Merci de nous accueillir ici. Encore une fois, je le dis, mais on est vraiment. Magnifiquement reçu avec un stand ici magnifique à Barcelone. Vous êtes les bienvenus. Oui, on a fait beaucoup de choses dans le stand cette année. On a beaucoup de sujets et c'est vraiment un grand événement pour nous. Alors, on en parle, tout le monde en parle ici. Même les constructeurs commencent à l'aborder alors qu'on est en 2017 et que ça devrait sortir dans plusieurs années. Tout le monde parle de la 5G. Pourquoi déjà une telle excitation à votre avis concernant ce sujet ? Et après, vous nous expliquerez ce que ça va changer en termes de télécom. Alors pourquoi une telle excitation ? Parce qu'on arrive quand même sur des cycles courts, c'est-à-dire les réseaux, on dit souvent, c'est des cycles de 10 ans, 12 ans. Là, la 5G, ça va arriver maintenant dans un an, deux ans, donc on arrive à quelque chose qui est imminent. Et puis on sait ce que c'est, c'est-à-dire que les caractéristiques de la 5G sont à peu près stabilisées. On va avoir finalement trois caractéristiques particulières. La première, c'est que ce n'est pas la 5G, c'est la 50G, parce que ça va 50 fois plus vite que la 4G. Oula, 80 fois plus vite que la 4G. Ça donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Ça permet des usages qui sont franchement différents. Donc là, on dépasse, on a plusieurs gigabits par seconde. Oui, on va vraiment, ça permet d'avoir de la 4K, ça permet de faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et c'est vraiment de l'instantanéité. C'est plus rapide que la fibre qu'on a à la maison aujourd'hui. Alors en fait, ça va nous permettre effectivement, suivant les cas d'usage, d'utiliser de la fibre ou de la 5G. Alors attention, la 5G, on est sur un réseau mobile. Alors quand on est tout seul, on a l'intégralité du débit. Quand on est plusieurs, on partage. C'est pour ça qu'on va avoir toujours besoin, de toute façon, critique de fibre et que Orange a poussé les deux. Ça, c'est sûr. Donc ce débit, cette capacité à aller très vite. Deuxième sujet, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est aujourd'hui une vraie réalité qui arrive sur le marché des entreprises. Sur le marché des particuliers, c'est encore naissant. On va avoir des millions d'objets et la 5G aura la capacité de traiter ces multitudes d'objets qui enverront des petits messages, mais qui seront extrêmement nombreux. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que pour des usages particuliers, de sécurité, de défense, de télémédecine, par exemple, on va être capable de garantir des qualités extrêmement élevées, des latences extrêmement faibles. Parce que quand on fait de la téléchirurgie, il faut vraiment qu'on soit à l'abri de tout incident, quel qu'il soit. Donc on a beaucoup de débits, des grands usages de la vidéo, des millions d'objets qui sont connectés et la capacité à délivrer des choses extrêmement pointues quand on en a besoin. Vous parlez de téléchirurgie, ce n'est pas un mot qu'on entend souvent. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que demain, on pourra imaginer... Ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est vrai que ça restait très hypothétique. Oui, ça restait très hypothétique. C'est quoi ? C'est un exemple, mais l'intérêt, c'est de se dire qu'on va pouvoir, effectivement, quand on aura une opération à faire ou quand on aura un diagnostic à faire, mais l'opération, c'est vraiment du temps réel, avoir deux postes de travail, des médecins dans deux endroits et un chirurgien pour être assisté en direct de façon extrêmement précise avec des caméras. Et donc ça va permettre effectivement que tous les territoires puissent avoir accès aux meilleurs experts là où il sera. On peut aussi être assisté par des caméras qui sont dans des fibres et qui vont permettre de faire des diagnostics. Donc beaucoup de choses qui demandent de la précision, de la qualité, de l'instantanéité. Pilotage de drone, par exemple, aussi. Pardon, c'est ça, pilotage de drone, des choses comme ça. Mais ça existe déjà, mais en local, on va dire. Piloter un robot pour faire une opération, ça se fait déjà. La 5G, c'est la promesse de pouvoir le faire à distance. Pas de problème de latence, de choses comme ça. Alors justement, c'est des latences qui sont extrêmement courtes. Alors, tout ne va pas se faire en 5G, une fois de plus, il y aura des réseaux extrêmement sécurisés, de très grande capacité qui seront en fibre. Mais il faut vraiment qu'on puisse travailler sur ces trois sujets. Ça permet aussi, quand on a des opérations extrêmement soudaines, s'il y a une catastrophe, par exemple, on fait un hôpital de campagne quelque part, et donc à ce moment-là, on est dans des solutions qui ne sont pas nécessairement pérennes et instantanées, et on peut faire ça très très rapidement avec la 5G. Donc tous ces cas d'usage vont se développer, c'est un énorme potentiel, et on va commencer à les mettre en place. Ça arrive quand, la 5G ? Alors, la 5G, la date de la 5G, c'est 2020.
Alors, on va entendre parler de la 5G avant. On disait gentiment qu'on entendrait parler de la 5G à partir de 2018. Eh bien, fort est de constater qu'en 2017, on en parle déjà beaucoup. Et donc, ça s'accélère. Ce qu'on va avoir à partir... Ça s'accélère pourquoi, Marie-Noël ? Parce que finalement, aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on pourrait être presque prêt avant 2020 ou c'est parce que voilà, il y a une telle appétence concernant cette technologie qu'on en parle d'ores et déjà ? Alors, il y a une vraie appétence concernant la technologie et en tout cas, tous les opérateurs, tous les industriels se disent... Ça ne peut pas prendre de retard. Parce que souvent, on dit 2020 et puis dit que ça sera 2022. Non, ça ne prendra pas de retard. Ça sera même peut-être un peu en avance. Parce qu'on a des vrais cas d'usage, parce qu'il y a une vraie appétence à aller de l'avant. Et puis, on a quelques événements sportifs. Vous savez que le sport, ça attire beaucoup de choses. Donc, les Jeux Olympiques d'hiver en Corée. Ensuite, les Jeux Olympiques au Japon. Des événements au ballon rond. En Europe et en Corée, on aura dès 2018 des démonstrations de 5G qui seront de la pré-5G ou de la pré-commercialisation et qui toucheront essentiellement le sujet du débit parce qu'on va avoir une vidéo colossale dans le stade et que la 5G va l'utiliser. Donc ça, ça arrive. C'est pour ça que les Européens qui n'ont pas forcément 2018 les Jeux Olympiques, mais un tout petit peu plus tard, je crois, ou j'espère. 2024 Il faut qu'on soit tous unis. Ce qu'il faut qu'on évite, c'est la fragmentation. C'est une 5G aux US, une 5G en Asie et une 5G différente en Europe parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc il faut une standardisation. Exactement. Et ça en prend le chemin mondial. Ou il y a encore des risques de fragmentation ? Non, je pense que ça en prend le chemin. On arrive aujourd'hui à l'heure des choix. C'est-à-dire quelle brique technologique va vraiment faire partie de la 5G. D'accord. Et donc, c'est des moments qui sont assez critiques pour D'accord. la fragmentation. C'est maintenant que Mais ça décide. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment un consensus pour se dire qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Marie-Noël, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et profitez du stand. Et voilà, et je suis persuadé que l'année prochaine, on en apprendra encore un peu plus sur cette 5G qui fait rêver beaucoup. Merci. Merci à vous. Marie-Noël Jégot-Lavessière, donc, qui s'occupe de l'innovation ici voilà. à Orange. C'est la fin de ce 01 Live, premier de la semaine en direct du Mobile World Congress de Barcelone. On se retrouve demain, plein de vidéos à découvrir sur 01 Net TV. Et bien sûr, merci à notre équipe technique. Bien sûr, merci à Pierre Thiolin, à Thomas Remiré, à Jean-David Duarte. Et puis, on sera là demain, ici même sur le stand d'Orange, à partir de 13h pour un deuxième live. Portez-vous bien et bonne journée. Salut à tous.